Et bon, bah, je vais faire les courses. Oui, c'est ça. Et je vais rester avec les enfants pendant que tu vas faire les courses. Ok. Mais qu'est-ce que je dois acheter, ma chérie? Je n'en ai aucune idée. Oh, pas de souci, t'inquiète pas. J'ai écrit une liste de courses, rien que pour toi. Ok, super. Et Emma, faut que je dise quelque chose de super triste. Eh ben, Samira, elle m'aime beaucoup plus que toi. Non, c'est pas vrai. Mais si, malheureusement, c'est comme ça. Non, elle m'aime aussi, Samira. Et mais si Samira m'aime pas, bah Simba lui-même. Oui, non. Alors, oui, pommes, fromage, pain, un peu de savon. Oui, d'accord, ok. Ouais, il faudrait peut-être que j'aille à la banque avant de faire les courses. Ou t'as quelque chose à la maison? Oui, j'ai un peu d'argent liquide. C'est sur la table du salon. Il y a l'argent et les clés, la voiture. Ok, je vais vite aux toilettes d'abord et après je m'en vais. Et maman, il faut que je te dise quelque chose de très important. Et te demander quelque chose de très important. C'est très important, vraiment. Et qu'est-ce qui se passe, Julien? Alors, il faut que tu saches, enfin tu le sais sûrement, que le coût de la vie est de plus en plus cher. Et puis bon, bah, du coup, il faut que je te demande, est-ce que je peux avoir plus d'argent de poche? Julien, mais le moment, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais non, ça ne va pas, tu me demandes ça tout le temps. Mais oui, mais comment on fait, maman? Le coût de la vie augmente, mais pas mon argent de poche. Ah oh, non, mais là, Julien, c'est plus possible. Mais c'est pas possible, ça peut pas être comme ça, c'est pas juste. Et comment je peux acheter une glace ou autre chose? Je peux pas, j'ai pas assez d'argent de poche. Ah, oh, Julien! Non! Si tu vas pas avoir plus d'argent de poche, non! Et puis ça se trouve, t'en auras plus du tout si t'arrêtes de faire des bêtises. Pardon, je fais des bêtises. Pas moi, faire des bêtises. Pouah, mais ça c'est encore n'importe quoi. Oh non, mais je vais le voir à la télé, ça m'énerve. Mais je ne comprends pas, maman. Pourquoi je n'ai pas plus d'argent de poche? Hein? Non, mais. Il m'en faut plus. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Pas les. Oh, il y a de l'argent! Ah, génial! Mais je pense que ça ne appartient à personne. Alors, je peux me servir? Super. Donc ça doit être beaucoup, beaucoup. Il doit y avoir beaucoup de valeur, ça. Donc je prends ça. Alors, maintenant je vais vite discrètement jusqu'à ma chambre. Julien, t'es encore contrarié à cause de l'argent de poche? Non, maman, non, tu as raison, tu avais raison. Pas besoin d'argent de poche comme ça. Je vais vite dans ma chambre. Pouh, j'ai eu chaud. Ah, coucou papa, où vas-tu? Je vais faire les courses, Julien. T'as besoin de quelque chose? Non. Ouh. Bon, maintenant, il faut que je cache mon argent. Oui, je suis riche, je suis riche. Bon, maintenant, je peux carrément faire le tour du monde. Ou je peux acheter une fabrique de skateboard ou ma propre maison. Bon, j'y vais, Claudia. Je vais faire les courses. Oui. Bon. Normalement, Yann. 39 euros, ça devrait suffire. Ok, bon. J'ai les clés, l'argent et j'y vais. On se voit. À plus tard. À plus tard. Bon, oh là là, qu'est-ce que je peux faire avec autant d'argent, moi? Je peux te racheter un enfant. Ou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec autant d'argent? Bon, je suis là pour payer. Ça fait 37,80 euros, s'il vous plaît. Un moment. Mince. Mais il manque 10 euros. Mais oui, il m'avait dit 39. Je comprends pas, là, il y a que 29. Oh, je suis désolée, je pense que je dois laisser quelques articles ici. Oh, c'est vraiment humiliant. Vraiment gênant. Oh, je suis désolée. Et comment ça se fait que Claudia se soit trompée comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. T'as eu tout ce qu'il fallait, Martin? Ma chérie, petite question. Je pense que t'as pas très bien calculé tout ça. Il manquait 10 euros. Tu m'as donné que 29 euros. Pas 39. Non, je t'assure, non. Bah non, j'avais que 29 euros. J'ai pas pu tout payer. Mais si, il y avait un 20. Il y avait un billet de 20, un billet de 10 et puis des petites pièces. Mais c'est pas possible. Il y avait un billet de 10 euros. Eh ben, je suis 100% sûre. C'est pas possible, ça n'a pas pu disparaître. Non?